parler à Jalen dans le Trailblazer. Trailblazer. Wow. Débloquer un mode charge pour un module que j'utilise absolument pas pour l'arme. Ah mon dieu. Oh, il est où? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux, Kay? Qu'elle dégage de mon vaisseau. Non, je veux dire quand on aura réussi, quand tu seras parmi les plus riches de la galaxie. Tu voudras quoi? Hein? Quelle importance? Tu n'as même pas de réponse. Je veux ma part, et que Rico s'en aille. Ce que tu veux, Kay, c'est être libre. Et pour ça, il faut que tu te détaches des fantômes de ton passé, et que tu commences à aller de l'avant. Elle m'a laissé qu'un blaster, Jalen, et un jeton de casino. J'avais 12 ans. Bon. Je vais te confier un secret, alors. Je suis né riche. Un secret? Si vous m'aviez pas recruté, vous seriez une cible. Ma famille construisait des vaisseaux sur Corellia. Nous étions riches, puissants, et on se détestait. Puis l'Empire est arrivé, a repéré la faille et nous a déchirés. La haine a engendré le meurtre, et me voilà, dernier survivant. Et je ne dois ma survie qu'à ND5. Au moins vous êtes en vie. Ma famille a été anéantie par sa propre haine, Kay. Écoute, ta mère est une pirate d'exception. Et elle veut te voir réussir plus que n'importe qui ici. Moi y compris. Si vous le dites. Bon, et maintenant? Tu connais le manoir de Sliro mieux que nous tous. Donc tu dois savoir qu'il nous faut la clé des codes d'accès qu'il garde toujours sur lui. On m'a dit qu'il devait négocier un accord entre Zerek Besh et la cellule d'espionnage de l'Empire, le BSI. Infiltre-toi dans leur réunion, récupère la clé et retrouve l'équipe sur Kanto. Et ensuite, on réalisera le plus grand casse que la galaxie ait jamais connu. Kay, Rico s'est procuré une navette lambda. Je t'envoie les coordonnées. Et sois prudente. Ah, vous allez pas me dire que ça se passe encore sur cette planète, quand même. Eh ben si. J'y vais, ND. Je serai là, Kay. Okay. Au bout d'un moment, j'ai plus pouvoir l'encadrer, cette planète. Hein. Ah là là. 200 mètres. Allez. On va pas assez vite. Tu n'aurais pas dû contacter ta mère. Quoi? C'est ton plot de contention qui te force à t'excuser pour lui aussi? Non, je suis simplement déçu. On peut rien y faire après tout. C'est son boulot, son équipage. Tu le sais mieux que personne. Oui, c'est exact. Je vois que t'as toujours mon blaster. Tu sais, le bloc d'Alim, c'est de la récupération. Il surchauffe. J'ai réparé ça il y a des années. Ah oui. Et sinon, comment ça va, la vie? Arrête, c'est mort. T'as raison. On se concentre sur la mission. Sliro a rendez-vous avec des impériaux sur une station du BSI. Ça va grouiller de garde, mais c'est notre seule chance de l'approcher. Avec ce vaisseau, on entre, on prend sa clé, et on s'enfuit. Discrètement. On? Non, 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 non. C'est juste moi, Enix. Il peut conduire une navette impériale? Et toi, tu peux? Hein? Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir à bord. Mais il faut deux pirates pour cette opération. Tu comptais faire quoi? Improviser? J'ai passé ma vie à improviser, Rico. Et ça marche plutôt bien. Pas cette fois, en tout cas. Bon,
Me prends pas la tête. Ça marche. En revanche, si on se lance, il faudra aller jusqu'au bout. T'es prête, Kay ? Oui, on est à la fin ! Oui, prête. Allez, qu'on en finisse. Formidable. Après toi ? Daryl, merci pour le resub. Expliquez-moi un truc. Le BSI traque les rebelles, pas les navettes volées. Super, Rico. Je mettrai ça plus tard. Comment est-ce qu'on a fait pour entrer et qu'on s'est pas fait spotter direct, en fait? Là, je m'en fous, je termine le jeu, là. Quand tu veux, hein! C'est pas comme si on était un petit peu pressé. Ah ouais? Trouve au moins les plans avant de t'enfuir et de nous planter. Non mais je dis juste que... Laisse tomber. On trouve le lieu de rendez-vous, on prend la clé et on couvre nos traces. Ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Nyx, appuie sur ce bouton là-bas. Se wrappe. Là, c'est le terminal. Le garde, je m'en occupe. Oh le con! Bonjour. Vas-y, Nyx. C'est pas... Bien joué, petite. Aide-moi à pirater ce truc. J'ai fait clic gauche à la place de faire clic droit, fait chier. Ouais. Rencontre un gros bonnet du BSI dans les étages supérieurs. C'est notre chance. Tu peux monter par le tapis roulant. Je me charge de l'immobiliser. Quoi? Tu viens pas? Quelqu'un doit veiller sur toi. Je te guiderai par radio et je désactiverai les alarmes d'ici. Oh. En gros, je fais le sale boulot pendant que tu restes en arrière. Écoute, Kay, quelque chose tourne pas rond dans le coin. Tous ces agents de Zerek Besh. Je veux garder une vue d'ensemble. 30 secondes! Ah, merde! Ah, désolé, je fatigue un peu là. Oups. Un garde ? J'imagine que c'était rien. Garde. Nyx ? Distraction. Soldat à terre! C'est quoi ça? Plus la peine de se faire. Pas maintenant. C'est une blague là! J'ai été vu pendant même pas une seconde!
Déjà, je dois faire quoi ici? Parce que je comprends pas trop ce que je dois faire. Aller à droite, je suppose. En espérant que le Stormtrooper va pas se retourner au bon moment. Parfait. Hey, le tapis s'est remis à rouler. Je croyais que tu le contrôlais. Une sécurité a forcé le redémarrage. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Facile à dire pour toi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois? Ils nous poursuivent! Oh mais c'est une blague! Une sécurité a forcé le redémarrage. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Facile à dire pour toi. Tu vois quelque chose? Il y a une trappe de maintenance devant toi au sol. Faut la prendre. Ah, attention, t'as de la compagnie. Contourne-les et reste planqué. Hop, la trattrape. Allez, continue à avancer dans le couloir de maintenance. T'es sûr que c'est par là, la réunion de Sliro? Un peu de confiance, s'il te plaît, petite. Mauvaise nouvelle, Kay. Quand le tapis a été réactivé, un des droïdes super t'a aperçu. Super. Je croyais que quelqu'un devait veiller sur moi. Qu'est-ce qu'il a enregistré? Je sais pas. Mais il se dirige vers le centre d'extraction des données, comme toi. Tu dois l'atteindre en premier et effacer sa mémoire. Sinon, toute l'opération... Je sais très bien ce qu'on risque. Ouais. Y a quelque chose? Nexie, garde-moi ça ouvert. Nexie, garde ça ouvert pour moi, tu veux? Ça a encore quelque chose de looter des trucs en vrai. Ah. Les conduits Ubisoft adore ça. Les conduits Ubisoft adore ça. Passer sa vie dans des conduits. Continue, tu dois être tout prêt.
désolée pour tout à l'heure. C'était ma faute. Je vais arranger ça. Les droïdes vipères sont connectés aux terminaux. Je peux les pirater. Merci. Merci. Certains de ces droïdes sont toujours actifs. Te fais pas encore repérer. J'ai beaucoup côtoyé les vipères. Ça ira. Faudra que tu me racontes ça. Oh sa mère, comment j'ai passé, moi. C'est quoi cette zone? Hein? Ça botte? Mais... Hein? Ouais, clairement, dans Rise of the Ronin, la SWAT avait raison. C'est dommage qu'on peut pas l'incarner, ou même la rejoindre. En train de transpirer des mains les gens là. En mode giga stress. Hein? Attends. Qu'est-ce que... Rien à signaler ici. Il n'y a rien ici. Repos. Oh, elle est où exactement? Les officiels arrivent. Pff, j'aime pas m'occuper des VIP. C'est pas lui que je veux que tu distrais, c'est lui là. Lui! Non, pas lui! Lui! Distraction, Nix. Oh la loose. Qu'est-ce que c'était? Mais non! On est repéré, Nix. Putain! Sérieux, quoi. Bon, il y a un turbo-ascenseur à l'autre bout de la salle. Je l'ai fait descendre. Il devrait te conduire tout droit jusqu'à Sliro. Sliro prépare un gros coup. Hé, tais-toi. Pas du tout. Et bouge. Des nouvelles de mon transfert. Et bouge. Pourquoi il veut pas bouger? Non mais il est sérieux, il est bloqué en mode Je reste à... Madame.
Tu sens quelque chose, Nixie? Bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Tiens, là ton rapport, connard. Parfait. Voilà, c'est bon. Les images de moi sont effacées. Bien joué, ma petite. Bon, il y a un turbo-ascenseur à l'autre bout de la salle. Je l'ai fait descendre. Tu devrais te conduire tout droit jusqu'à Sliro. Et sinon, t'as trouvé des infos sur Zarek Besh dans ce terminal? Pourquoi ils sont si proches de l'Empire? On dirait qu'ils utilisent des droïdes vipères, les restes d'un certain projet nuée, pour vérifier des données. Mais j'ai pas d'explication. J'étais concentré sur toi. Ouais. Merci. Bon, quand le turbo-ascenseur s'ouvre, trouve un accès à la salle de réunion. Ça va être coton de rafler cette clé sans se faire repérer. J'ai Nix avec moi. J'y arriverai. Vous avez vu les deux gardes en bas qui ont spoté quelque chose? Je t'ouvre une porte à gauche du turbo-ascenseur. Vas-y. Ça marche. Tu vois quelqu'un? Je contrôle la situation. Je vois un conduit sur les plans. Il t'amènera au-dessus de la salle. Ah là, bizarrement, t'as bien voulu saboter, hein? Oh, je suis dans le conduit. Et maintenant? Allô? Il y a des gros bonnets de l'Empire. Je les connais pas. Mais ils sont venus seuls. Kay, je dois filer. Reste caché. Ne sors surtout pas. Hein? Tu vas où? Allô? Et Gauthier. Rico? Bon, bah... on va encore improviser. Évidemment. C'est mieux comme ça, de toute façon. Oh, il est où, mon Dark Vador? On trouvera Sliro nous-mêmes. On dirait... la voix de Veil. De la part d'une des chasseuses de primes les plus chères de la bordure extérieure, je m'attendais à mieux. J'arrête. Alors dans ce cas... je dois me dédommager. Disons que ta maigre fortune sur Niamos réglera l'addition. Comment êtes-vous au courant? Tu m'appartiens, Vale. Finis le boulot. Ma foi, quelle belle surprise! L'empereur a mon rapport. Les Zarek Besh ont infiltré le milieu criminel jusque dans les recoins les plus éloignés de la galaxie. Nous sommes sur le point de mettre au jour le réseau rebelle. Il s'agit d'un succès incontestable pour le PSI. Zarek Besh n'a pas été capable de trouver un seul membre de l'Alliance Rebelle. Ça n'a aucun sens. Sans rebelles, Zarek Besh est inutile. Et vous, directeur Barsha, êtes inutile.
inutile. Le BSI a créé le réseau de renseignement le plus avancé que l'Empire ait jamais connu et accompli bien davantage en quelques semaines que toute l'armée impériale elle-même. Une armée dont l'imbécile débarquement sur Hoth a permis à une flotte rebelle de s'enfuir. C'est le BSI qui remportera cette guerre. J'y suis presque. Seigneur Vador. Alors, je vous conseille de trouver des rebelles, directeur. L'empereur s'impatiente. Préparez mon vaisseau. Maintenant. Kay? Eh ben putain, il était temps, hein. Je suis pas sûre, j'arrive pas. Petite, garde l'œil sur la cible. Ouais, ok. On a un gros problème. Sliro est un impérial, un directeur du BSI. Serek Besh n'est qu'une façade. Tu le savais? Hein? Je suis pas si mal que ça. Ok, j'avance. Bon, maintenant, du coup, est-ce qu'on va l'affronter? Reviens ici. Tout ça me dépasse. Et la clé, alors? Sliro est parti, mais on peut encore s'en tirer vivante. Non. Si tu veux fuir, vas-y. Mais moi, je vais les avoir, ces codes. Si c'est la base de Sliro, il doit bien y avoir une chambre, un coffre-fort, quelque chose. Donne-moi une minute. Continue d'avancer. Si c'est le cas, tu dois pas être loin. Ça devrait être devant toi. Mais les portes sont verrouillées et gérées par un autre circuit. Compris. Je trouverai bien un moyen. Je crois que j'ai trouvé ces quartiers privés. T'es sur la bonne voie. Mais Kay... Je peux le faire. T'inquiète pas. D'accord. Psst, Nex, appuie sur ce bouton. Je suis étonné que Seigneur Vador nous ait pas ressenti. Ah. Le levier. Abaisse ça. C'est ouvert. J'y vais. J'ai bloqué quoi, moi? Pas vu. Ouais, c'est un petit peu tard de débloquer ça maintenant. Surveille les caméras. T'as le champ libre. Fais vite, Kay. Ils vont forcément remarquer ça. Et voilà. Je crois que j'ai trouvé. Les codes d'accès sont bruts, mais je retire pour toi les permissions de Sliro. Ouais, je les vois. Je copie les codes sur une carte de données. Mais il verra notre empreinte dans le système. Tu peux aller au terminal central sur la passerelle? Sur la passerelle. Ça doit être sacrément gardé. Tu vas y arriver, petite. Sinon, au pire, on est morte. Logique imparable. Le commandant dit qu'on doit signaler tout le matériel impérial qu'on voit au marché clandestin. Ça, c'est clair. Attention, Nix. Te fais pas voir. La la la... Je vois le terminal, mais... Il y a genre une centaine d'officiers. À toutes les unités, jamais je vais arriver à... C'est requise dans la salle de briefing. Pour un briefing. Exécution immédiate tout de suite. T'en as eu quelques-uns.
Par contre, ton accent militaire, waouh. Tant que ça marche. Jamais arrivé, hein. Eh merde. Je crois qu'on est spoté, mais je suis pas sûr. On va rester ici un petit moment, je pense, hein. Jour 3 là. Pourquoi je peux passer par ici? M'éloigne là! Pourquoi le jeu permet qu'on s'éloigne autant? Allez, on débranche l'alarme. Je comprends pas là, les gens. Pourquoi est-ce que le jeu permet qu'on aille aussi loin derrière alors qu'on doit aller en face?
J'étais en transporteur quand des pirates ont attaqué. On a dû appeler un TIE pour s'en sortir. Lui d'ailleurs gérable. Qu'est-ce que tu vois ? Bien reçu. Pas mon secteur, pas mon problème. Chose, Nixie. Désactive cette alarme, tu veux? Attendez, juste en bas là ? J'avoue, je prendrais bien un café aussi. Tu crois qu'ils nous remplaceraient par des droïdes ? Si je me laisse tomber ici, est-ce que je me fais spotter facile ? Ils arrivent vers nous ! Oh putain, c'est une blague ! Là, j'avais tout bien fait là ! Nix, attention à toi ! Mais ils s'arrêtent jamais ! J'avais tout bien fait, putain ! Mais chier! Bon, je vois le terminal, mais il y a genre une centaine d'officiers. À toutes les unités, votre présence est requise dans la salle de briefing. Pour un briefing. Exécution immédiate tout de suite. T'en as eu quelques-uns. Par contre, ton accent militaire, waouh! Tant que ça marche. Aucun souci dans le secteur. Rien à signaler, comme il y a 10 minutes. Tout va bien. Qu'est-ce que tu vois ? Allez, on débranche l'alarme. Compris. On reste en alerte. Occupe-toi de ce terminal, Nix. C'est que je suis quasi sûr que je pourrais juste tomber ici. Porter le chapeau ? Aux rebelles. Ils les détestent déjà, non ? Ouais. Ils veulent toujours s'attribuer les mérites en plus. Au fait, je t'ai trouvé une sortie. Voilà les coordonnées. Je pourrais ouvrir cette grille au terminal. Vous vous rendez compte ? Tout un passage d'infiltration super stressant pour au final... Tu vas sur la gauche, tu descends et c'est bon, quoi. Garde en tête notre objectif final.
Ce contrat permettra de rétablir l'équilibre. On s'appropriera un petit morceau d'une galaxie qui n'a jamais voulu de nous. Ouais, ouais. À plus tard. Tu vois quelque chose ? Allez, faut y croire les gens, faut y croire. Attention, dit qu'on a encore le casse à faire après. J'ai ouvert une porte. Tu vois quelque chose ? Ouah, mais ils sont combien ? Nix, neutralise ce terminal. Tourne-toi, ma biche. Oui, chef. Je ferai un rapport en cas de souci. Faites-moi un rapport. Terminé. Voilà. On va pouvoir respirer un peu là. Je vais dans le bon sens ? Ouais, tu es presque. Le directeur Barsha ne tolère pas l'échec. Même s'il vient d'atterrir, sa navette doit être prête à décoller à tout instant. Alors je veux des actions, pas des excuses. Ouais, je veux de la bourse moi aussi. Pas les actions Ubisoft, hein, ça vaut plus rien. Ah, je te vois. Retrouve-moi en bas. Et y avait pas plus simple ? Si, mais c'était beaucoup plus risqué. Tu m'as étonné, Kay. Ça a changé. Beaucoup. Ma vie s'est pas arrêtée quand t'es partie. Écoute. Je pensais prendre la bonne décision. Après tout, regarde-toi. T'avais pas besoin de moi. Kay ? Oui, j'ai entendu. Putain, mais je vous jure, ce jeu, on passe 30 ans de notre vie dans les conduits, quoi. Dernière ligne droite.
On dégage d'ici. Tu sais, bon, tu t'en es bien sorti. Ça a marché. Ouais. Comme dans le temps. Le bon vieux temps. Et tout ? Allez, on y va ! Pour la rébellion, c'est ça ? Comme s'ils en étaient capables ! J'avais dit de pas revenir, Kay. Et j'étais censée t'obéir. C'est comme dans mon souvenir. On change pas une formule qui marche. Ça va, toi ? Oui. Mais j'ai vu des trucs qui... Je sais pas trop dans quoi on s'embarque. Dis-leur ce qu'ils doivent savoir. On a un problème. Zerek Besh, c'est une façade de l'Empire. Sliro est du BSI. Quoi ça ? Le bureau de la sécurité impériale. La cellule d'espionnage de l'Empire. Des yeux partout et beaucoup plus dangereux que les soldats, je dois dire. Si on se fait prendre, c'est la mort assurée pour nous. Et tout ce qu'on connaît. Si vous renoncez, alors vous dites adieu à 157 millions de crédits. Vous le saviez, pas vrai ? Tu serais venu si je te l'avais dit ? Dank Farik, no bata. That's a peach hotza. Vous avez peur. Hank, tu as tout perdu. C'est là ta chance de tout recommencer. Toi, quelques millions pour faire disparaître un ancien impérial. Et les rébellions, il leur faut plus que de l'espoir. Surtout quand elles perdent la partie. Kay, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que tu as prouvé que c'était possible. Tu as vu cette chambre forte de tes yeux. C'est là ta seule et unique chance d'être libre. Plus de Sliro, plus de Prime. Tu pourras dormir tranquille. Qu'en penses-tu, Kay ? La dernière fois que j'ai essayé, j'ai remarqué que le hangar était l'endroit le moins sécurisé. Et ces codes vont donner accès au système de ventilation. Les chambres fortes de Sliro sont protégées par ces barrières laser. Rien qu'un duo de pirates ne puisse surmonter. Une fois les barrières tombées, les tourelles automatiques prendront le relais. On va évacuer à travers le casino, juste sous leurs yeux. Le droïde TT-8L qui garde la chambre forte, c'est le meilleur du marché. Mais je l'aurai. La chambre a des verrous en chromium impossibles à pirater. Tagua kutis patisa, kava blasto no via no lia. Quand on aura le coffre, il nous faudra une porte de sortie. Pourquoi pas les égouts de Kanto ? Il n'existe aucune carte, mais avec un émetteur, notre pilote nous trouvera. ND5 et moi, on sera sur la plateforme avec le Trailblazer. Et en route vers la liberté. Ok. Allons rétablir l'équilibre. Salut, Nix.